prépare la volte. Sont partis. Vespa de Bourgogne bien parti, au contraire de Hurion de Pierre-Vive qui a pris le galop. Ils vont passer devant les tribunes avec Vespa de Bourgogne, Buffalo de Bélève qui sont accompagnés de Trust Speed et Barrio de Loup. Vedette américaine, c'est la Casaque Blanche qui suit le long de la corde. Premier tournant en vue avec Trust Speed, Vespa de Bourgogne, Buffalo de Bélève, accompagné de Vedette américaine. En dernière position se trouve Velvet Underground. Sortir du tournant, Trust Speed qui accélère et qui va prendre le relais de Vespa de Bourgogne. Buffalo de Bélève qui suit. Avec à ses côtés se trouve Vedette américaine, Barrio de Loup en cinquième position. Les vues en face, à l'arrière-garde pour le moment se trouve aussi Bocage d'Ortige et Tamisso. Ligne opposée avec Trust Speed, Vespa de Bourgogne, accompagné de Buffalo de Bélève pour se diriger vers le tournant. Trust Speed règle l'allure devant Buffalo de Bélève qui accélère maintenant pour venir se placer au commandement devant Barrio de Loup et Vespa de Bourgogne. Buffalo de Bélève qui hausse le ton dans le tournant. Trust Speed, Barrio de Loup, Vespa de Bourgogne qui suivent le mouvement. Ils vont bientôt sortir du tournant avec Buffalo de Bélève qui règle désormais l'allure devant Trust Speed, Vespa de Bourgogne avec Barrio de Loup qui précède un petit peu plus loin. Uniax, suivi encore de Hurion de Pierre-Vive qui repère du terrain. Ils vont passer une nouvelle fois devant les tribunes. Buffalo de Bélève installé au commandement. Barrio de Loup, Trust Speed et Vespa de Bourgogne, suivi encore de Uniax avec également un petit peu plus loin Vedette américaine. Derrière se trouve également Ustar de Vendel et Tamisso pour aborder la ligne opposée avec Buffalo de Bélève et Nicolas Hench installé en tête derrière Barrio de Loup. Vespa de Bourgogne qui suit Trust Speed qui semble un petit peu en difficulté maintenant pour suivre le trio de tête. Et derrière se trouve Vedette américaine Tamisso qui fait un bon effort côté corde. C'est Buffalo de Bélève qui règle l'allure avec Barrio de Loup et Vespa de Bourgogne. Ces trois concurrents se détachent dans le dernier tournant. Derrière se trouve un petit peu plus loin Vedette américaine qui essaye de se relancer. Ils abordent le dernier tournant avec Buffalo de Bélève et Barrio de Loup. Vespa de Bourgogne garde le contact. Derrière Vedette américaine Tamisso, suivi encore de Uniax pour aller se présenter au début de la ligne droite. Buffalo de Bélève et Barrio de Loup derrière Vespa de Bourgogne dans les 300 derniers mètres avec Buffalo de Bélève attaqué par Barrio de Loup avec Vespa de Bourgogne un petit peu plus loin. Buffalo de Bélève qui est débordé maintenant avec Barrio de Loup, avec Vespa de Bourgogne et Tamisso un petit peu plus loin. Avec Barrio de Loup qui a pris la mesure de Vespa de Bourgogne, la victoire va revenir à Barrio de Loup et Christophe Martens, Vespa de Bourgogne, Buffalo de Bélève, Tamisso, suivi du 11, Ustar de Vendel.